Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans une série d'ordonnances rendues publiques le lundi 3 octobre 2022 portant la nomination au sein de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Au terme de ces ordonnances, le lieutenant-général Chiwewe Songesha Christian est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à remplacement du général d'armée Mbalamu Sensei Célestin, qui est l'actuel chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-général Chiwewe Songesha Christian est né le 27 octobre 1968 à Lubumbashi. Il a suivi une formation à l'Académie militaire Koulia Arabia à Khartoum au Soudan, où il est sorti avec le grade de sous-lieutenant d'infanterie. À l'issue de sa formation d'infanterie, il a été affecté au centre d'instruction de Moura à Likasi comme encadreur des éléments formés par le Nord-Coréen et ensuite désigné commandant de ces centres. Nommé commandant de la 10e brigade de Moura en 2010, il va perfectionner sa formation en Angola et devenir commandant du 13e régiment de la garde républicaine basé à Lubumbashi de 2007 à 2011. En 2014, il a été désigné commandant en juin en charge des opérations et renseignements avant de devenir commandant de cette même unité d'élite chargée des protections du chef de l'État. Promis il y a quelques mois au grade de lieutenant-général, il est élevé aujourd'hui à la plus grande fonction au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est secondé dans ses nouvelles fonctions de chef de l'état-major général par des généraux-majors Ishali Gonza et Kasonga Sibangu-Léo Richard, respectivement chef d'état-major général en charge des opérations et renseignements et administration et logistique. Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 millions 53 013. À sa prise de fonction, le président de la République Félix Tshisekedi a trouvé les pays dans un état chaotique. Un pays isolé de la scène internationale, les infrastructures en déliquescence, les compatriotes forcés à l'exil ou faits prisonniers politiques. Aucune liberté d'expression. Les répressions violentes se terminant souvent par des bains de sang. La corruption et la gabegie financière institutionnalisée. Le prix de billets d'avion, de vol domestique et le frais scolaire exorbitant. C'est avantageux puisque, vous savez, avant on payait dans les 340 dollars. C'est comme si quelqu'un voyageait à Dubaï. Bon, maintenant, comme on a rabattu le prix, en tout cas c'est bien, on peut voyager n'importe quand. Et le frais scolaire exorbitant. Les universités délabrées. La partie est abandonnée aux mains de différents groupes rebelles. Les populations pillées et massacrées, sujettes aux violences de tout genre. Parmi ses premières actions, les prisonniers politiques d'opinion ont été libérés, notamment Eddy Kabinde, après plus de 20 ans de prison. Il a permis le retour des exilés politiques. 20 ans qu'on a lutté pour la libération de notre oncle. Et cette fois-ci, cela nous a été accordé grâce à Fatih Béton, qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pour l'avancement de ce pays. Les manifestants désormais libres de leurs opinions peuvent maintenant se mobiliser sans peur d'être tués. Le retour de pays sur la scène diplomatique mondiale après plusieurs années d'isolement. La baisse du prix de passeport de 250 à 99 dollars, ces documents jadis classés parmi le plus cher au monde, désormais accessibles à tous les Congolais. La politique des grands travaux pour moderniser les pays et booster son développement en marche. La construction de sauts de mouton à Kinshasa a permis de réduire sensiblement les embouteillages sur le principal artère de la capitale. Nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobutu il avait fait quelque chose, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des Yinga, et aujourd'hui, quand on voit des sauts de mouton comme ça, on voit directement lui. Vraiment, félicitations. Les buts images de la route Kolwezi Dilolo, ainsi que le tronçon Bomamwanda, Kasumbalesa Sakanya, Chikapa Kamwesha, la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kasai à Chikapa.
la réhabilitation des hôpitaux Mamayemo à Kinshasa et Sendwe à Lubumbashi, la construction du pont Lubuya et Lubunga à Kisangani. La dotation des 400 bus pour la mobilité des Congolais, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Les différents voyages et prises de contact avec les bailleurs ont permis à la réserve de change de passer de 913 millions à plus de 3 milliards de dollars. La consécration de l'indépendance de la justice devra permettre à cet appareil de s'affranchir au bénéfice de justiciables sans discrimination. La réinsertion des jeunes, jadis des Kulina, et qui sont devenus des bâtisseurs à travers le service national à Kanyamakassi. La relance des activités du domaine agroalimentaire présidentiel de l'Antsélé, Daipen en sigle, avec l'agriculture et l'élevage, les poulets pour la consommation locale. L'augmentation de 40% des salaires des bases des fonctionnaires qui va permettre aux familles de faire face à la hausse de prix occasionnée par des différentes crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'instauration de l'état des sièges a permis d'éradiquer des différents groupes armés à l'Est. Dans un souci de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le président de la République a inauguré l'usine du projet Kiltoko pour le recyclage des déchets plastiques en tant que pays solution face aux enjeux climatiques de l'heure et débarrasser la capitale des bouteilles en plastique. Le président Tshisekedi a soutenu la campagne sur la masculinité positive pour lutter contre les différentes formes de violence faites à la femme et permettre à celle-ci d'être représentée dans les paysages politiques et économiques du pays. Dans les domaines du transport aérien, Félix Tshisekedi s'est investi en 2021 dans le domaine de la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, mais aussi des aéroports internationaux de Lubumbashi, de Kisangani et de Kolwezi, de même que la réhabilitation, le renforcement et l'extension de pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux, notamment celui de Ndolo à Kinshasa. Sept avions supplémentaires ont été acquis pour renforcer la flotte de Congo Airways avec la baisse de prix du billet. Au chapitre de l'éducation, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire inscrite à l'article 44 de la Constitution du pays, depuis son adoption en 2006, aura décidément été le grand succès de Félix Tshisekedi durant les trois premières années de son quinquennat. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner. Et j'ai demandé quelle est la modalité de paiement. On m'a dit que dans les classes des 7e et 8e, c'est gratuit. Donc, je me suis étonnée, je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti. En tout cas, ça m'a fait du bien. Grâce à cela, aujourd'hui, près de 4 millions d'enfants ayant regagné le chemin de l'école. Et pour pallier au surpeuplement des classes, le gouvernement s'emploie à construire de nouvelles écoles sur l'étendue du pays. Autre fait positif à l'actif du chef de l'État, c'est sa lutte acharnée contre la corruption en redynamisant l'inspection générale des finances IGF et en créant l'agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC. Ceci afin de répondre à l'impératif de contrôle de l'utilisation de fonds de contribuables congolais. Beaucoup reste à faire, certes, mais il nous appartient, à nous, peuple congolais, de nous mobiliser pour le développement de notre pays qui est notre patrimoine commun.